Chers collègues, bonjour. On va travailler sur cette séance sur un point très important. C'est l'orientation de la maison. Salam alaikum. Alors, premièrement, on va travailler sur l'orientation de la maison. L'orientation de la maison a des conséquences directes sur sa consommation de l'énergie. Donc, il habite la consommation de l'énergie, l'orientation, dans la mesure du possible, choisis une orientation sud pour la façade principale. Donc, حاول ممكن تمشي للتيران ولا تخدم عن بروجي يكون لو سيد هو يكون لو سيد هو لو فاساد برينسيبال. يعني انت ملي تحاول تخدم على ان بروجي تحاول ما يمكن بان يكون عندك لو سيد هو لا فاساد برينسيبال. لورينتاسيون كي بو فاريي دو بليس او موان 25 دوغري. Il convient d'éviter autant que possible d'opposer la construction au vent dominant. Par exemple, مثلا une toiture basse détourne le vent sans s'y opposer brutalement. Placez les entrées sur la façade les moins exposées afin de limiter les pertes lors de leur ouverture. Il est possible de se protéger du vent en profitant des reliefs du terrain, par un mur, de la végétation ou les habitations du voisin. Pour la question des pièces, les façades ou bien pour le site, les pièces, les salons, les chambres, les toilettes, les résidences, les façades ou les résidences. Alors, pour les pièces à vivre, il y a un harakin, le dima, tout confirme, ainsi que la véranda seront situées au sud pour profiter du soleil, bas d'hiver et donc d'un apport de chaleur gratuit. Qu'est-ce qu'on favorise? Les chambres seront idéalement situées. Et les sports bénéficient du soleil matinal et de la fraîcheur en soirée. Les pièces techniques, les salles de bain, les toilettes, les buanderies, les garages, les circulations, les halles et les espaces de rangement peuvent être placés en ordre avec des pièces moins chauffées jouant le rôle de zone tampon à l'entrée extérieure et l'espace de vie. La façade nord sera idéalement consacrée à l'accès de voiture. En hiver, pour profiter de l'exposition au sud et de ses apports solaires, la méthode la plus efficace consiste à rechercher l'effet de serre. Avec un haut de travail sur Internet, à la fin de quoi l'effet de serre, la moyenne parfois, en effet, les vitrages, les sont passés le rayonnement solaire qui réchauffait les parois et les mobiliers. Alors, la chaleur est emmagasinée puis restituée dans la pièce sous forme de rayonnement infrarouge arrêté par le verre. Pour optimiser encore cet apport de chaleur momentané, il est intéressant de le stocker. Pour cela, tous les éléments lourds et forts inertiés sont bénéfiques. Donc, des schémas, pratiquement, là où parvient le rayonnement solaire à l'intérieur de la maison, vous pouvez construire une murette ou un mur bas en briques pleines, par exemple pour réaliser un bar ou opter pour une décoration de béton ou en béton cellulaire. De même, les couleurs utilisées sont importantes. Les couleurs utilisées sont importantes pour absorber de la chaleur. Utilisez des teintes sbarra, sombre, comme dolma, ou du noir. Ou le noir. Les couleurs claires et le blanc rejetant le rayonnement. Les éléments de décoration comme le tapis. بعد النوبات شي واحد يقول لي مثلا واحد الدار كيلقاها من اللور مثلا مصبغينها بالكحل علاش؟ بوغ لابسوربسيون سولير
utiliser des teintes ou sombres ou du noir. Les couleurs claires et le blanc rejettent un rayonnement. Les éléments de décoration comme le tapis, les coussins ou les moquettes jouent un rôle d'isolant thermique. Évitez-les donc dans les parties ensoleillées. Un véranda au sud, c'est un excellent moyen de capter les apports solaires et de le redistribuer entre les pièces à vivre avec lesquelles il communique. Au plus fort de l'été, l'exposition s'y devient un inconvénient. Un inconvénient, il doit être contrebalancé par des protections contre l'ensoleillement. À cet effet, prévoyez des avants, des stores bains ou un débordement des toits. Il existe des auvents à panneaux solaires qui renforcent encore l'utilité d'une telle installation. Si vous utilisez un logiciel pour réaliser vos plans, par exemple l'AutoCAD ou la ou l'anarchie, mais le logiciel de plan, il existe généralement donc une fonction 3D qui permet de simuler l'ensoleillement selon les saisons et ainsi de définir le vent qui convient à votre cas. Ainsi, un débordement des toits au vent bien adapté permet de vous protéger des soleils d'été. Haute dans le ciel, aux heures chaudes. En hiver, les rayons sont suffisamment bas au sud pour passer sur le débordement ou l'avant et pénétrer dans la maison. Pour se protéger du soleil, une autre excellente solution consiste à réaliser des treillages sur lesquels on vous pousse de la végétation à feuille caduque. Serre de la caduque de la végétation à feuilles caduques, vous formerez ainsi un écran protecteur naturel l'été, mais qui ne sera pas sous les rayons du soleil d'hiver. J'espère que cette vidéo vous aide un peu pour bien orienter la maison. Et il y a beaucoup de techniques pour l'utiliser sur ce point. Alors, si vous aimez la vidéo, je peux faire une série de vidéos techniques qui vous permettent pour bien situer l'emplacement dans les maisons. Je veux dire ainsi que notre chaîne elle a besoin d'abonnements, de besoin de commentaires. Alors pour aider la chaîne pour continuer, je vous invite pour abonner sur ma chaîne. Je vous invite pour abonner ou bien pour inviter vos camarades aussi. Pour inviter sur la chaîne et j'espère que cette chaîne vous aide un peu pour confronter le domaine. Merci.